Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique. Je parle bien évidemment de Resident Evil 7, l'épisode 6, et souvenez-vous, on était dans la vieille maison. Et dans la merde, parce que il y avait des essaims d'abeilles et je devais chercher donc le sérum. Hein, et Tan parvient à regagner l'extérieur après un duel à mort contre Jack. Ça veut dire que Jack est donc bien mort. Zoé informe Ethan de l'existence d'un sérum qui leur permettrait de sortir vivant de cet enfer. Donc de soigner, de retirer le virus qui pour le moment n'a pas encore de nom. Donc on ne sait pas exactement c'est quel virus. Ethan se dirige maintenant vers la vieille maison au bord du marais en quête du sérum. Alors, la vieille maison, c'est là où Marguerite traîne énormément. Et c'est aussi là où il y a le sérum. Et c'est là où il y a les essaims d'abeilles et donc le lance-flamme. Voilà pourquoi on est dans la merde. On s'est arrêté dans la merde dans l'épisode 5. Je vous avoue qu'à un moment, j'ai failli craquer parce que je ne savais pas si j'étais dans la bonne direction ou non. C'était très frustrant. Jusqu'à ce que je trouve un sac à dos et le lance-flamme. Ça m'a reboosté. Et là, on est reparti parce que j'ai enfin de quoi justement arracher tous ces essaims de... C'est quoi d'ailleurs? C'est des papillons de nuit modifiés, des... C'est pas des abeilles les gars, les abeilles je connais bien, ça fait pas la taille d'un bras tu vois, à part peut-être au Congo, ça j'en sais rien, mais voilà, je sais pas exactement c'est quoi, mais en tout cas c'est énorme. Peut-être des cafards volants piquants, ça peut être énormément de choses. On va voir ça tout de suite de toute façon. Allez, on est donc reparti, j'avais trouvé le sac à dos juste ici, c'était impeccable. Au moment où je parlais de sac à dos, j'ai trouvé un sac à dos qui m'a rajouté 4 emplacements, c'est plutôt cool. Alors, on avait fait la vieille maison, pas de fond en comble, mais en courant très très vite parce que je me chie dessus, hein, je vous le dis honnêtement. Donc on a le brûleur, comment ça fonctionne? Ok, tu vises, tu tires, jusque là rien de fou. Et donc on a réussi à créer en courant un petit peu à l'arrache un plan de la vieille maison qui a l'air plus grand que la nouvelle maison. Quoique, oh, regardez l'atelier. Porte fermée à l'atelier, là où il y avait la salle d'incinérateur. Intéressant. Faudra retourner dans la nouvelle maison. Enfin, on va l'appeler la nouvelle maison dans le manoir principal. La maison principale, voilà. Ok. Donc, je sais pas, Marguerite, ce qu'elle craint. Je vais être honnête avec vous. Cartouche de pompe. Ça, par contre, crois-moi qu'elle va craindre mes cartouches de pompe. Ok, on a un fluide. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec le fluide? On peut faire ça. Un combustible pour lance-flamme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, je prends. Des munitions de lance-flamme. Sait-on jamais? Je suppose que Marguerite n'est pas insensible au lance-flamme. Ah, et c'est dedans que j'avais trouvé. Ah d'accord, avec Mia. Va falloir que je me souvienne où Mia aurait pu mettre... Viens là, salope. Je te fais au couteau à l'ancienne. Je suis un chasseur. Eh, dégage. Oh putain, il y a les mêmes tableaux dans la résidence... Dans la résidence principale. Oh! Le plan! Impeccable! Ok. Est-ce que je suis dans la merde? Oui, il y a une cave. Oh, j'aime pas les caves, c'est chiant. Oh, la vache. Ouais, serre. On dirait bien une sorte de laboratoire. Ok. D'accord. Là, on va prendre notre temps. Je suis jamais allé là. Ça mène au salon. Ouais. On va refaire le chemin inverse. Tranquillement. Là, il y a des essaims d'abeilles. Allez, ça dégage. Ok. J'essaye de voir un petit peu. Allez, toutes ces araignées. Ah, oh putain! Fils de pute! Oh sa mère! Ok. Oh putain, l'arrêt! L'arrêt cardio-vasculaire que j'ai failli avoir en direct. Oh les conneries! Ok, j'ai toujours rien pour ouvrir ici. C'est terrible. J'ai rien trouvé par ici. On va se débarrasser de cette connerie là. Allez, ça dégage. Ok. Ah putain, j'ai encore les piqûres sur le corps, mais.
Il y en a encore là qui vont sortir ou pas là? Parce qu'au bout d'un... Quoi? Vache! Putain, ça a 2 ou 3 protections cette connerie là. Hein. Ok, on est retourné dans la petite cabane de pêche là, je sais pas trop. J'avais peut-être loupé certaines choses étant donné que j'avais fait ça vraiment à l'arrache. Par contre, niveau munitions, ça part très très vite. Moi, ça a pas explosé, c'est quoi cette connerie? Ah, d'accord, 3, ok. Ok, monsieur est gourmand. C'est la merde. Un objet à utiliser, une manivelle, je suppose. Très bien. On fait un peu le tour. Les câbles. Ok, on va retourner en enfer, c'est-à-dire là-haut. C'est bon, stop là! Oh! Cram! Salope! C'est terrible! Cramé! Brûlez tous en enfer! Ok! Beaucoup mieux! Beaucoup plus plaisant. Alors je crois qu'il y avait quelque chose sur ma gauche. C'était là. Un nouveau fluide, c'est ça? Ok, j'ai déjà plus de place dans l'inventaire. C'est terrible. Donc, on va retourner vite fait. J'avais couru par ici. On va retourner vite fait au coffre pour y glisser mes quelques petits fluides. Je vais garder le gros fluide et on va prendre le raccourci sur notre gauche. Qui sera donc sur notre droite. À notre retour, c'est plutôt pas mal là. C'est plutôt pas mal. On a fait un petit carnage. Bon, faut que je retrouve... Attendez. Est-ce que je peux pas me refaire un petit fluide? Si. Munition pour le lance-grenade. Capable d'embraser une vaste zone. C'est terrible. Ok. Pas mal, ça. Pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On va déposer ça. Et le fluide... on va garder ce fluide, quand même. Ok. J'ai brûlé quelques essaims d'abeilles. Les gars, ça mérite une sauvegarde. Alors, on sauvegarde pas mal de fois, mais bon, hé... C'est mérité, il faut toujours saisir nos opportunités. Allez, c'est parti. On repart, là les gars, je suis en forme. Là les gars, je suis en forme. Donc comme d'habitude, évidemment, hein, je ne l'ai pas dit dans cet épisode, éteignez les lumières. Prévoyez un petit paquet de chips. Un peu de coca. Et tout ce qui s'ensuit. Putain, il y a des bruits, mais c'est horrible. Hein. Même bruit que dans l'autre pièce, là-haut, là. Les bruits de Satan. Allez. 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 Ok. Toi, je te le fais à l'ancienne. Voilà. Toi aussi. Voilà. Doucement, petit. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, bébé. Une herbe, je prends. Oh, putain. Ok. Ah! Allez, dégagez. Oh, vache. Ok, du combustible et du combustible encore. Nickel. Bon, on a presque vidé notre ancienne maison, n'est-ce pas? Ok, oui, c'est là où il y avait le message de mort. Message pas très gentil. Là, il y a rien. C'est un coin. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait aucun accès. Peut-être quelque chose ici, non? Qu'est-ce que c'est? Des bougies? Je peux les allumer? D'accord. Ok. Je vous avoue que j'ai extrêmement peur. Ok, on va souffler un petit peu. Alors, les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais machine arrière? On dit machine arrière, marche arrière? On dit les deux, je crois. Je fais tout simplement marche arrière parce que comme je vous dis, dans ce manoir-là, j'aimerais fouiller une dernière fois certaines choses.
pour ne pas passer à côté. Alors oui, oui, je stresse. C'est une évidence. On n'est jamais passé par ici. On va s'équiper. Encore de l'herbe. Et de la poudre à canon, c'est incroyable. Ok. Il y a des petits trucs vraiment à gauche à droite dans le jeu. C'est incroyable, c'est fou. Hein. Il y a des petits trucs cachés un peu partout. C'est dingo, c'est dingo. Ok, on va retourner. Dans la maison, il y avait la mamie. Et il y a des choses encore que je n'ai pas visitées. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être, ce point d'exclamation? Oh putain. Oh, le bruit des portes. Qu'est-ce que ça peut être, ce point d'exclamation? C'est à côté du salon. Et il y a la réserve aussi. Et la réserve, attendez, je crois que c'est... C'est pas un scorpion. Je sais pas quelle est cette clé. De toute façon, tant que Jack ne... est décédé, on peut en profiter. Ah oui, d'accord. Ça, c'était la photo un peu... J'ai toujours pas cette clé, c'est stressant, ça. Ok. J'hésite à... Vous savez quoi? Ça coûte rien. Ça, je le reprends? Non, je peux pas le reprendre. J'hésite à refaire un tour du côté du salon. Et après, on va repartir si vraiment il y a rien. Ah, quoique... J'ai peut-être une idée. On va refaire un petit tour. Ah, les gars, c'est un petit tour, écoutez. Cet épisode 6... On fait un petit peu le tour de tout ce qu'on a loupé et tout. Pour ne rien oublier, bien évidemment. Toutes ces aventures incroyables. La clé de corbeau, je ne l'ai pas. Ça, c'est une évidence. Hein. C'est... Les gars, c'est info sûre. Là, d'accord, le point d'exclamation, c'est ça. Ok. Ok, donc j'ai plus rien à voir. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Il me reste un dernier truc pour... comment on peut dire ? Effacer mes doutes. J'aimerais retourner là où on avait échappé à Jack, justement, la toute première fois, dans le sous-sol de cette nouvelle maison. Parce que maintenant que j'ai un couteau, je me demande s'il n'y avait pas des trucs sous ruban adhésif ou des trucs de type fragile que je pouvais aisément casser. Donc on va faire un petit tour et on va voir ça très très vite. Attendez, je crois qu'il y avait un autre truc à tête là, non? Non? Parce qu'on les entend, mais enfin... J'ai un pistolet cassé aussi. Ça, c'est l'énigme la plus totale. On ne sait pas encore à quoi il sert. Donc, on va retourner, voilà, au sous-sol, là-haut. Et peut-être le garage, vu que Jack est ressorti. C'est intéressant, ça, non? Petit garage, frérot. Non? Voilà. Je vous avais dit que ça peut être intéressant. Ce que j'aimerais, voilà, j'aimerais vous proposer une aventure vraiment complète où on a... Ah. Peut-être pas à 100%, mais où on a fait les choses proprement. Vous me connaissez, Resident Evil 4, la perfection, bien évidemment. Elle a totalement brûlé la caisse. Il n'y a donc plus rien. Ouais, il n'y a donc plus rien. Ouais, comme je vous disais, Resident Evil 4, où on a terminé l'aventure, franchement, bon, de là à dire les doigts dans le nez, il n'y a qu'un pas, bien évidemment. Et au final, c'était très agréable pour vous comme pour moi. Elle est où, la vieille en fauteuil, maintenant, là, avec ses conneries? Pas un petit bonhomme, là? Oh putain, on va pouvoir se cacher ici, non? À mon avis. Soit c'était pour le père. Ok, on y va. Je vais juste vérifier une dernière fois ça. Parce que on n'avait pas de couteau à l'époque. Ah! Oh! Oh les gars! C'est intéressant ça! C'est sous la... C'est très intéressant ça! C'est sous la maison! Vous voyez déjà, on a découvert des petites caisses de l'autre côté. Ici, j'avais découvert ma première pièce antique. On n'oubliera pas. Tu es dans notre cœur.
Ok. D'accord, bon, on a fait le tour. C'était juste pour savoir que sous la maison, il y avait quelque chose. Ok, très bien. Bon, une petite save. On retourne dans l'ancienne maison et on va aller voir Marguerite. On va voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Et je pense qu'elle n'a pas grand-chose à nous dire de toute façon. Il y a des lecteurs, ça veut dire qu'il y a des cassettes pas loin. Je pense qu'on va devoir donc trouver une cassette, la lire. Et ça va sûrement nous montrer un nouveau chemin d'accès. Donc c'est parti, on retourne dans cette maison. Ah putain, cette maison, quand il n'y a personne dedans, c'est quand même un véritable bonheur. Petit kiff familial comme ça. Là. Allez. Quoique, attendez, je réfléchis. On a le plan. Forcément des trucs que j'ai pas dû visiter. Hop, on va se rééquiper du lance-flamme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La forme de l'aigle, il me faut aussi. C'est très sympa, les petites poupées. Petites poupées bébés, là, comme ça. Là. Bien gore. Ok. Bon, là, par contre, je sais qu'il y a Marguerite qui traîne dans les parages. Donc je fais pas trop le show. Ah! Voilà, là où nous ne sommes encore jamais allés. Oh, le plaisir. Ça mène direct à la cave, ça. Oh, la cave. Hop, une petite pièce, ça fait plaisir. Rien d'autre. Quoi? T'approche pas, sorcière. Ethan. Maintenant, ça suffit, Mia. Je veux des réponses. Je sais, tu as raison. Et j'ai toujours voulu t'en parler. Mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Papa, c'est ça? Ça dérange? J'emprunte maman juste une minute. Arrête pas, planté là! Fais quelque chose! Ethan, au secours! Merde! Quoi, ces embrouilles là? J'ai pas de place dans l'inventaire. Ok, je vais pouvoir la rejoindre. J'ai pas de place dans l'inventaire, ça c'est con. Je vais quand même pas supprimer une petite pièce. Je vais quand même pas utiliser mes herbes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un soin peut-être? Hop, et ben voilà. On a de la place. Ok. Ok, on a de la place. On peut retourner. Putain, attendez, c'était où exactement? C'est dans la salle à manger. Alors là, écoutez ce bruit. Ah, salopard. Ok. Alors là, on a une cinématique. Ça fait qu'en soi, il peut se passer beaucoup de choses. Fiche le camp ici. Oh putain. Je suis obligé d'y aller. Te voilà. Me suis pas. Oh putain, je peux pas la tuer, hein. Oh putain, y a quelque chose là-haut. Incroyable. On y va. Ok. Oh, un crochet. Ok, c'est impeccable. Mais je ne peux rien faire. Elle est à gauche. Ok.
Putain, je sais plus où c'est. Je crois que c'est dans la galerie. C'est dans la galerie. Je peux faire tout le tour. Ok, je peux faire tout le tour. Attendez, bougez pas. Je cours. Ok. C'est là-haut. Elle est là. Oh putain, elle est dans ma pièce, les mecs. Ok. Elle revient là, non? Elle est exactement où je veux aller. Allez, putain, c'est pas vrai. Elle revient. Ok. Ok. Je suis une machine. Waouh. Je vais sauvegarder direct. Waouh. Alors les gars, je peux pas parler dans ces moments-là parce que c'est hyper tendu. Waouh, putain. Ok. Pièce, je mets. Ok, qui aiguise temporairement les sens, facilitant le repérage d'objets. Pour l'instant, pas besoin en soi. J'ai assez de soins. Et vous savez quoi? Attendez. On va pas faire les rats, les gars. En vrai, on va pas faire les rats. Je vais l'utiliser. Ah, ça sonne pas de ouf. Hein. Très clairement, ça sonne pas de ouf. Mon état est stable, mais ça sonne pas de ouf. Ok, 13 balles de pompe. Tiens, les balles de pompe, on va les mettre ici. Poudre à canon, ouais. Ça me manque de fluide quand même. Ok. On save. Oh, c'était chaud, les gars. Ouh, j'étais pas bien, hein. Je commençais à bouillir, hein. Je commençais à bouillir. Allez, on est reparti. On va mettre le logo. On va ouvrir la porte de l'aigle, là. Marguerite ne m'aura pas suivi. Parce que franchement, les gars... En fait, c'est comme Jack. C'est vraiment pas évident à esquiver. Ok. Vas-y, bébé. Régale-moi. J'avais déjà réussi. Hop, c'est bon. Et... C'est bon. Oh, c'est parti. J'espère que je vais pouvoir souffler un petit peu. Alors, pourquoi il m'a appelé papa? C'est très bizarre. Je ne sais point vous. Pourquoi m'avoir appelé papa? Vraiment, sur le coup, aucune idée. Je remplacerai donc Jack. Mais vu que Marguerite m'aime pas... Merde. Ah, c'est dégueulasse. Ah, des... C'est pas des scolopants? Je sais pas, là. Le truc que t'as sur tes îles, cousin, qui entoure tes bougies, tu te réveilles, tu peux mourir 4 fois. Le bordel, il peut t'étouffer. C'est quoi ces conneries? Oh, mon Dieu! J'y vais! Je suis Bolzy!
juste là pour le moment. Ok. Il y a Marguerite, pas loin. C'est quoi ce bruit? Putain, bande de coups. Quoi? Les gars, il y a trop de trucs. Ça, c'est là où elle est partie. C'est là où elle a fui. Là, il y a quelque chose à pouvoir faire remonter. Il me faut donc une manivelle. Là où il y a une porte. Aigle, j'allais dire chauve-souris, mais non. Aigle. Ok. Zoé, tu as encore essayé de t'introduire à l'étage, n'est-ce pas? Tu pensais que je ne le verrais pas. Même après ce qui s'est... Même après ce qui est arrivé à Evelyne, tu continues de parler de ce foutu remède. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec mon hôtel? Tu ferais mieux de ne pas mettre tes sales pattes dessus. Personne ne touche à mon hôtel sacré. Tu nous prends pour des imbéciles, ton père et moi? Tu n'es qu'une sale petite ingrate! Je regrette de t'avoir mise au monde. Toi, qui es moins que rien, commences-tu nous mépriser et essayer de quitter notre maison après tout ce qu'on a fait pour toi, ingrate, 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 ingrate. Si jamais tu t'avises de toucher à mon hôtel, je te promets que je te découperai la poitrine et que j'en ferai un rôti. Ok. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que fait? Que faire? Que faire? Que faire? Allez, encore des soins. J'ai fait beaucoup de soins. Maintenant, je vais pouvoir me consacrer aux munitions de pistolet. Mais vu que j'ai des munitions de fusil à pompe, je dis que c'était pas forcément nécessaire. Ok, c'est là où Marguerite avait chopé Mia. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Attendez, c'est quoi ça déjà là? Des comprimés qui aiguisent temporairement l'essence. Putain, ils veulent vraiment qu'on trouve un max d'objets. Un petit fluide. On va pouvoir faire ceci. Quoi que j'aurais pu faire des munitions spé. J'ai la manivelle. Grâce à ça, je vais pouvoir ouvrir de nouveaux passages. Plutôt cool. J'ai peur de me retourner. J'ai peut-être aussi pouvoir ouvrir ce passage-là. À moins qu'il mène à rien jusqu'au bout. Attendez, je regarde un petit peu partout. Ok. Ok. Pas de pièce, rien. Dégage. Pas le temps pour tes conneries. Pas le temps pour tes conneries. Oh putain de merde. Je peux pas. Je peux rien faire là? Ok. Qu'est-ce qui va sortir? Un raccourci. Ok, je l'ai récupéré. Putain, mais ce volet. Ok, les gars. Je peux re-sauvegarder en passant par là. Je vais repasser par là-haut, hein, si ça vous gêne pas. Pour pouvoir sauvegarder. Parce que j'aime sauvegarder. Et puis maintenant qu'on a la manivelle, on va pouvoir retourner à l'autre bout de la maison, dehors, ouvrir le petit pont qui va mener sans doute à un petit cabanon qui va me permettre d'avoir cette clé de l'aigle. Et grâce à la clé de l'aigle, je vais pouvoir non seulement retourner dans la nouvelle maison pour ouvrir quelques portes, et en plus dans l'ancienne. Ça, c'est plutôt cool. Et là, il fait très très noir. J'ai peur. C'est bon. Ok. On peut save. Allez, gars, dès que je fais quelque chose de nouveau, on va prendre soin de faire les choses proprement. Parce que vous avez vu que la dernière fois, ça sauvegardait quand même automatiquement. Et c'était assez relou. Est-ce qu'on va pas s'arrêter là par hasard? Est-ce que par la même occasion, on va pas s'arrêter là? Parce que là, on a pas mal de choses. On a fait une belle esquive. J'ai envie de vous dire, les gars, en plus je vous ai parlé de deux vidéos aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. On a bien avancé. Prochaine étape, je vous explique, on va ouvrir ici
l'ouverture qui mène à je ne sais quoi d'ailleurs, à côté de la station d'eau. Et on va, je pense, récupérer une clé qui me permettra d'aller par là-haut. On verra tout ça. Surprise. Et c'est ça qu'on aime. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire comme d'habitude. Je vous fais d'incroyables bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.